tous et bienvenue donc dans ce cours consacré cette fois-ci au système des relations internationales de 1920 à 1939, toujours bien sûr au sujet de l'histoire de l'Europe centrale et orientale, avec un plan en trois séquences pour ce cours. D'abord, nous allons repartir bien sûr de ce qui se passe effectivement après la signature des traités de paix, après la création donc de cette nouvelle carte de l'Europe centrale, hein, que nous avons vue ensemble. Première séquence, j'ai intitulé ça, donc vous l'avez dans le plan qui vous a été remis, un système né de la victoire, hein, le système né de la victoire. Ça va être toute la période, on va le voir dans un instant, des années 20, comment cela fonctionne, comment les vainqueurs franco-britanniques principalement, je rappelle que les États-Unis se retirent très rapidement du jeu, hein. Et puis surtout, bon, finalement, au bout du compte, la France vont tenter de maintenir effectivement le glacis acquis de cette Europe centrale démocratique, hein, née de la victoire. Et on va voir un peu sur quoi ça repose, hein, et ce qui va se passer dans ces années 20. Seconde séquence du cours sera consacrée à la marche vers une Europe fasciste. Qu'est-ce que c'est? Ben, bien sûr, on va voir les paramètres qui vont progressivement entrer en jeu et qui vont déstabiliser, hein, cet ordre de Versailles né entre 1919 et 1920. Le premier de ces paramètres, évidemment, c'est l'arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie, d'abord favorable aux pays occidentaux, et puis ensuite, on le sait, à partir du début des années 30 et de l'arrivée surtout de Hitler au pouvoir, va progressivement basculer dans le camp, effectivement, des régimes, comment dire, autoritaires, hein, et totalitaires, hein, européens. Ne pas oublier, ne jamais oublier, hein, que l'histoire du XXe siècle, au sens large du terme, c'est avant tout l'histoire des trois totalitarismes, hein, que sont évidemment le communisme, hein, donc, qui est né lui en 1917, et suivi de près par le fascisme italien et le nazisme allemand. Hein. Troisième séquence du cours, ben on va voir en fait tout simplement comment tout cela va déstabiliser complètement l'ordre de Versailles et l'Europe centrale que l'on croyait ancrée vers l'Occident, ancrée vers la démocratie, avec ce que j'ai intitulé l'après 1933 et ses conséquences, hein, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Hitler et la destruction progressive du système de Versailles. On le verra en détail dans ce cours. Évidemment, bien sûr, on s'arrêtera en 1938, je le précise, avec la crise des Sudètes, puisque l'objectif du cours suivant sera de voir un état des lieux de l'Europe centrale à la veille de la guerre de 39-45, c'est-à-dire le processus final, en fait, qui de 1938 à 1939 a mené à la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui sera vu dans le cours suivant. Petite bibliographie rapide, je rappelle donc quelques références, Jean-Baptiste Durosel, donc évidemment avec son histoire diplomatique, l'histoire également de l'Europe centrale et orientale par Thomas Schreiber, que vous pourrez retrouver, et puis quelques ouvrages qui sont pas mauvais de Bernard Michel, qui est un historien disparu aujourd'hui, spécialiste de l'Europe centrale, le Parisien, avec la chute de l'Empire austro-hongrois et Nation et Nationalisme. Vous verrez ces ouvrages dans la bibliographie. Et puis bien sûr, une petite carte, comme d'habitude, que je vous ai distribuée, pour vous montrer effectivement comment, assez rapidement, on va retrouver effectivement cette fameuse barre, hein, qu'on avait un peu, de façon plus simplifiée en 1914, hein, d'une Mittel Europa totalement dédiée à des États non démocratiques, sauf que cette fois-ci, il s'agira d'États totalitaires dangereux, et bien sûr, le premier d'entre eux étant l'Allemagne hitlérienne, qui va très rapidement tout déstabiliser. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, première partie, hein, de ce cours, c'est le système qui est né de la victoire. Alors, je vous rappelle que ce système est avant tout, pour les Occidentaux, pour la France notamment, pour le Quai d'Orsay, pour toute sa politique étrangère, de maintenir, hein, coûte que coûte,
comment dire, le glacis démocratique que l'on a mis en place après la destruction des empires centraux. Hein. C'est-à-dire tous ces petits États, jeunes bien sûr pour la plupart, hein, je vous le rappelle, ou reconstitués, qui sont tous des démocraties ou des monarchies parlementaires. Hein. Et l'objectif est de les maintenir coûte que coûte à flot, les protéger bien sûr, parce que ce sont des États fragiles puisque jeunes. Hein. Et donc c'est d'abord ça le système de Versailles, garantir les nouvelles libertés démocratiques par tous les moyens. Je vous rappelle que ce système de Versailles est encadré par trois grandes peurs. Hein. On l'avait déjà largement abordé. Ces trois grandes peurs sont d'abord la peur de l'extension de la révolution bolchevique. Hein. Ça, c'est vraiment la peur numéro un. Et vous allez voir à quel point elle marque profondément les années 20. Cette peur de l'extension de la révolution bolchevique, bien sûr, 1917, Lénine et les bolcheviks au pouvoir, la création inédite, hein, du premier État communiste de l'histoire, hein, et puis 1918, la fameuse paix blanche, hein, en janvier de Brest-Litovsk avec l'Allemagne, l'Empire allemand, et puis toutes les conséquences que cela avait eues, etc., etc. Et bien sûr, la Grande Guerre civile. Terrible qui va faire naître la jeune URSS au début des années 20. La seconde de ces peurs, c'est évidemment la peur d'un retour de la puissance allemande. Pourquoi? Parce qu'on a quand même bien conscience qu'effectivement le traité de Versailles est particulièrement sévère pour l'Allemagne, bien plus sévère que les autres, que l'Allemagne est de toute façon désignée comme la principale responsable du conflit, article 231 du traité de Versailles, je vous le rappelle, et puis que l'Allemagne, évidemment, est condamnée à payer de très lourdes réparations, ce qui est un des gros problèmes, hein, de ces années 20 qu'on va aborder maintenant, et on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, sur ces années 20 et sur cette question des réparations que l'Allemagne, évidemment, vous l'avez bien compris, ne pourra pas payer. Hein. Et puis la troisième de ces craintes qui va encadrer tout ce système, comment dire, de nez de la guerre, ce système donc nez de la victoire, eh bien c'est la crainte de retour éventuel de la renaissance des puissances centrales, notamment au travers du risque que le jeune empereur Charles, parti en exil, je vous le rappelle, tente quelques retours au pouvoir, notamment dans la Hongrie, comment dire, particulièrement pro-monarchiste et réactionnaire du régent Horthy. Je vous rappelle que le régime en place à Budapest, qui certes est un régime de type démocratique, avec comment dire, ce chef d'État si particulier qui est le régent, qui est un régent, qui est Miklos Horthy, un ancien amiral de l'Empire, je vous le rappelle, eh bien, comment dire, on peut toujours craindre, évidemment, que quand il y a un régent lié derrière un monarque qui revienne un jour, il y aura des tentatives, effectivement, de restauration de la monarchie, mais qui échoueront aux Hongriens. Hein. Donc c'est une peur bien réelle qui existe aussi dans les années 20. On va se méfier, quand même, dans ce système de la victoire, évidemment, des États successeurs vaincus, hein, dont je vous redonne la liste. Il s'agit bien sûr de l'Allemagne avec la République de Weimar, de la petite Autriche, hein, qui se retrouve avec plus grand-chose comme objectif géopolitique, si ce n'est une unification avec l'Allemagne, mais qui, bon, bien sûr, ne peut pas arriver puisqu'elle est interdite. La Hongrie, stabilisée, évidemment, pour cause d'écrasement de cette première tentative de révolution bolchevique en 1919. Et puis, ne l'oublions pas, le dernier petit État des Balkans, la Bulgarie, très déstabilisée puisque privée de sa Macédoine historique, hein, à savoir la région, ne l'oubliez pas, donc, d'origine. On en a largement parlé la dernière fois. Alors face à toutes ces peurs, on pourrait se dire, bon, la SDN, comment dire, l'aura de la victoire des puissances occidentales et la puissance militaire, hein, tout simplement, hein, de ces pays, notamment de la France à l'époque, vont garantir la paix en quelque sorte. Mais ça ne suffira pas, quelque part, et c'est une des premières failles du système, hein, de ces années 20, qui va être le retour au recours, hein, à ce que l'on ne voulait pourtant plus voir, hein, qui sont le système des alliances militaires.
Et cette première entaille, elle arrive très vite, puisque le 14 août 1920, c'est-à-dire à peine sorti de toute la vague des traités de paix que l'on a vu en détail dans les derniers cours, le 14 août 1920, eh bien, est créé, et vous aurez la carte, hein, de cette structure, une nouvelle alliance militaire entre les pays occidentaux et trois États que l'on a choisi pour avoir une alliance militaire resserrée avec eux parmi les nouveaux États de l'Europe centrale que l'on veut protéger à tout prix. Et ces trois États sont les suivants. Donc cette structure, ça va s'appeler la Petite Entente, hein, en référence évidemment à l'entente de la Première Guerre mondiale. Elle naît le 14 août 1920, cette Petite Entente, donc une alliance militaire resserrée, et avec les États suivants, à savoir au centre du dispositif la Tchécoslovaquie. Regardez une carte, hein, évidemment, vous voyez la position tout à fait géostratégique de la Tchécoslovaquie, qui est effectivement un véritable barrage, hein, un état tampon face aux menaces que l'on redoute à l'est. Un peu plus au sud, au sud-est, c'est la Roumanie, un état agrandi, la Grande Roumanie des années 20, je vous le rappelle, qui possède agrandi par la Transylvanie hongroise, qui a été, comment dire, détachée avec le traité de Trianon, agrandi aussi. Conforté avec la Moldavie, qui a été une des principautés fondatrices, hein, des premiers royaumes roumains du XIXe siècle. C'est la Grande Roumanie, dispositif fondamental, elle aussi, dans le système de la Petite Entente. Hein. Et puis au sud, hein, on veut bien se prémunir évidemment des problèmes dans les Balkans, et on y ajoute donc la Yougoslavie. Donc la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie forment la Petite Entente. Et quand on regarde une carte, on voit bien qu'il s'agit là d'une sorte de bouclier, en quelque sorte, géostratégique, que les Occidentaux veulent mettre face à l'Est, hein, dans un premier temps, c'est-à-dire cet Est où on redoute toujours ce qui se passe du côté de l'ex-Empire russe, hein, qui est en train de devenir l'Empire soviétique sous la férule de Staline, plus les années 20 vont avancer. Alors juste afin de faire de faire cette première action, hein, de créer cette petite entente, il faut bien revenir aussi sur le dispositif global de ce que j'évoque avec vous dans ce cours. Hein. Les années 20, sachez-le, pour le retenir d'une façon très simple, ces années 20, c'est la période, si vous voulez, de la confortation du glacis occidental, hein, face à l'Europe centrale. Hein. C'est-à-dire que c'est en gros la période où les valeurs démocratiques vont triompher. Et les années 30, hein, retenez-le, c'est très simple aussi, égale la montée des périls, les années 30. Hein. C'est la période où les deux autres totalitarismes vont s'épanouir, hein, fascisme et nazisme, et c'est la période de la montée des périls et de la ruine, hein, de tout le système si patiemment construit par les traités de paix. Voilà, ça c'est comme ça permet de retenir assez facilement ces années 20 et ces années 30. Alors, pour bien conforter ce système, hein, revenons-en au début des années 20, toujours dans notre première partie. Donc la première chose, c'est de recréer une alliance militaire, c'est quand même un retour en arrière. On pensait bien ne plus revoir ces fameuses alliances qui avaient quand même précipité le monde dans la Première Guerre mondiale. Hein. Rappelez-vous du jeu des alliances après l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo hein, à l'été 1914. Et la deuxième chose que vont faire les Occidentaux, eh bien, ça va être finalement laisser tomber progressivement l'exécution des réparations de guerre votées également dans les traités, hein, à la fois pour l'Autriche, pour la Hongrie et pour la Bulgarie, au profit d'une aide à la reconstruction de ces pays. C'est ce qui sera progressivement décidé, notamment au travers des travaux de la fameuse commission des réparations de guerre dont je vous ai déjà parlé. Donc, retour aux alliances militaires, c'est un mal pour un bien, sans doute, mais ça, vous verrez, ça ne sera pas suffisamment efficace. Et deuxièmement, lâcher la pression des réparations sur les anciens alliés de l'Allemagne, en se concentrant, par contre, et là, c'est pas forcément une bonne nouvelle, en se concentrant uniquement sur l'exécution des réparations allemandes. Et c'est ce qui va
d'ailleurs, être une des grosses difficultés de ces années 20 qui commencent. Et ces années 20 qui commencent donc par une série de conférences internationales qui, vous l'avez bien compris, vont tout avoir pour thème la question de l'exécution des réparations allemandes. Et tout ça, c'est très important parce que derrière tout cet objectif, bien sûr, vous l'avez bien compris, il y a la nécessité de stabiliser, de cimenter définitivement, si vous voulez, cette nouvelle Europe centrale, hein, qui est née, hein, de la victoire. Et il ne peut pas y avoir de stabilisation sans que la question des réparations allemandes soit réglée, tant et si bien que les opinions publiques des pays vainqueurs, hein, exigent bien sûr cette question des réparations. Je vous rappelle le nombre de morts, je vous rappelle toutes les tragédies de la Première Guerre mondiale, ou le fait que l'on ne trouve pas de coupables et de pays qui veulent, qui accèdent à la nécessité de réparation est quasiment impensable, si vous voulez. Donc, nécessité absolue de faire des réparations. On laisse tomber pour les alliés de l'Allemagne, on crée une petite entente afin de bien renforcer les alliances militaires et dire à cette Europe centrale qu'on la protégera contre tous les dangers éventuels. Mais il faut que les réparations allemandes soient réglées. Et pour cela, donc, nous avons tout ce processus de ces fameuses conférences que je ne vais pas, comment dire, trop détaillé ici, ça n'est pas le but, hein, puisqu'on est davantage sur un cours sur la question de l'Europe centrale. Mais sachez que ces conférences que je vais vous rapidement évoquer sont au nombre de quatre. Hein, je vais vous donner leur nom, leur date, ce qui se passe durant ces conférences-là, toutes consacrées à la question des réparations allemandes, hein, et afin d'avancer vers la suite. Hein. Alors la première, elle a lieu à Spa, en Belgique, ville d'eau bien connue, comme son nom l'indique, en juillet 1920. Et la conférence de Spa, si vous voulez, c'est la conférence où on va fixer le montant des réparations allemandes. Je vous rappelle, hein, que ce montant avait été estimé, hein, pendant le traité de Versailles, mais qu'on avait renvoyé à plus tard, hein, la fixation définitive. Hein, sachant que, on ne tenait pas compte, hein, une seule seconde, dans tout cela, de la capacité qu'avait l'Allemagne à pouvoir les payer. Hein, le ministre des Finances français de Clemenceau, Klotz, hein, est bien connu dans l'historiographie pour dire l'Allemagne paiera. Hein, c'est une expression bien connue. Et puis on n'écoutera pas, par contre, un autre économiste qui pourtant a travaillé dans la délégation de la Conférence de la Paix, qui travaillera ensuite à l'ASDN, qui est un économiste très connu, qui s'appelle John Maynard Keynes, dont je vous donne quand même ici le nom, puisque Keynes écrira un certain nombre d'ouvrages, hein, que je vous recommande, notamment la faillite de la paix, etc. Tous ces ouvrages, hein, très intéressants, dans lesquels il explique en fait que l'on a commis une erreur en accablant l'Allemagne seule de réparations, et que c'est cela qui évidemment va précipiter à moyen terme tout le système vers la catastrophe. Donc, fouillez un peu dans les bibliographies John Maynard Keynes, c'est extrêmement intéressant de lire les analyses. Bien sûr, il s'agit effectivement de Keynes, le fameux économiste bien connu, qui, avec sa théorie générale de l'économie, aura toute son heure de gloire bien après, bien sûr, la période que l'on évoque. Hein. Donc, je vous en recommande la lecture. Alors, à cette conférence, bien sûr, donc de Spa en juillet 1920, 132 milliards, hein, de marques or que l'on va réclamer à l'Allemagne. Vous pouvez faire quelques multiplications pour avoir, comment dire, le montant en euros. Ce sont des sommes évidemment impossibles à payer pour un État en ruine qu'est l'Allemagne, hein, après la défaite qu'elle subit en 1918. Et bien sûr, les plénipotentiaires qui représentent l'Allemagne à cette conférence de la République de Weimar, bien sûr, indiquent qu'ils ne peuvent pas payer, que c'est absolument impossible. On laisse un temps un peu de respiration à l'Allemagne pour voir si elle peut quand même s'organiser,
Et ce sera la conférence de Cannes qui intervient un peu plus tard, en janvier 1922, hein, où, là, notez-le, c'est important pour les années 20 dont on parle maintenant, deux tendances françaises vont s'opposer, puisque c'est quand même la France principalement, vous l'avez bien compris, hein, qui mène les opérations derrière tout cela. Ce sont deux hommes, l'un Aristide Briand, qui est président du Conseil au début de la conférence de Cannes. Vous savez qu'on est toujours sur la Troisième République, donc avec évidemment des ministères et des gouvernements qui durent quelques années, quelques mois, mais il n'y a pas de stabilité hein, gouvernementale telle qu'on la connaît à l'heure actuelle encore sous la Ve République. À compter du début de cette conférence, Briand, Aristide Briand, donc dont les dates sont 1862-1932, qui est un radical socialiste, hein, qui va laisser à l'Allemagne peut-être une idée d'organiser un moratoire pour pouvoir payer, étaler ses paiements de réparation sur quelques décennies, pour essayer peut-être de donner un petit appel d'air pour donner à la diplomatie un peu de chance. Mais malheureusement, Aristide Briand perd les élections et c'est Raymond Poincaré. Alors là, on le connaît bien, Poincaré, c'était le président de la République pendant la guerre de 14. Hein. Il est élu président, il va traverser toute la période de la guerre de 14. Il est président de la République alors que la guerre éclate, hein, et qui est un Lorrain en plus, tout un symbole. Hein. N'oubliez pas que la Lorraine, avait fait partie de ces provinces qui avaient été ravies à la République française en 1870, hein, quand même. Et Poincaré, lui, c'est l'ultra-conservateur, si vous voulez, de l'époque, qui, bien sûr, derrière lui, a de forts lobbies, qui exigent, bien sûr, le paiement de ses réparations. Et ce sera l'intransigeance absolue de Poincaré, donc à cette conférence de Cannes, changement de ton, janvier 1922, la situation est complètement bloquée. Avec cette deuxième conférence où l'Allemagne décidément, effectivement, ne fait que conforter, hein, qu'elle ne pourra absolument pas payer hein, ces réparations de guerre. Et puis arrive peu de temps après d'ailleurs, hein, puisqu'on est en janvier 22, du 10 avril au 19 mai 1922, une autre conférence où cette fois-ci on se dit bon ben on va vraiment mettre la pression absolue sur l'Allemagne pour qu'elle paye enfin ses réparations, ou en tout cas qu'on trouve un échappatoire, quelque chose, et c'est donc ce qu'on appelle la conférence de Gênes. Alors conférence de Gênes, donc qui a lieu en Italie le 10 avril au 19 mai 1922. Et lors de cette conférence de Gênes, alors que ça n'en finit plus comment dire, de débattre entre les gouvernements au sujet des réparations allemandes, eh bien, c'est l'Allemagne qui va provoquer un coup de théâtre. La jeune République de Weimar, pourtant, qui est un État démocratique, qui n'a rien, comment dire, d'inquiétant à cette époque-là sur le plan politique, hein, nous sommes évidemment dans une période relativement calme. Que se passe-t-il? Eh bien, le 16 avril 1922, pleine conférence de Gênes, on apprend que dans la ville voisine de Rapallo, hein, eh bien, l'Allemagne vient de conclure un traité d'alliance et d'assistance économique avec qui, devinez? Eh bien, avec la toute jeune Union soviétique de l'époque. Et oui, avec les rouges, avec les bolcheviks, avec ce qui terrorise le plus les puissances occidentales à l'époque, l'Allemagne, la République de Weimar, pour trouver une solution, pour pouvoir trouver un moyen de payer ses réparations, parce que acculée par des gens aussi intransigeants que Raymond Poincaré, est obligée et collée au mur, et donc se dit finalement la seule solution, c'est peut-être d'aller voir un peu si on pourrait pas, même si ce sont des communistes, des bolcheviks, des anticapitalistes évidemment, trouver une forme d'alliance économique. C'est ce qui va se produire. Le signataire de ce traité de Rapallo, c'est donc le chancelier allemand d'époque, Walter Rathenau, hein, qui va signer ce traité à Rapallo. Il faut savoir qu'en 1922, nous sommes toujours dans la période de transition, dans la toute jeune URSS, que Staline
qui vraiment s'affirmera complètement à partir de 1924, n'a pas encore tous les pouvoirs. Et Lénine est encore là. Et Lénine, comme vous le savez, a lancé pendant une très courte période après la révolution bolchevique, ce qu'on a appelé la nouvelle économie politique. Et cette nouvelle économie politique, eh bien, c'était quoi? C'était une ouverture, finalement, un peu une sorte de, allez, risquons le mot, de perestroïka de l'époque. C'est-à-dire une sorte d'assouplissement de la révolution bolchevique vers une ouverture au capitalisme. Pour quelle raison? Bah, tout simplement pour reconstruire économiquement l'URSS, la jeune URSS, hein, la jeune Russie révolutionnaire, qui sortait quand même absolument anéantie, quand même, elle aussi, par tant d'années de guerre, hein. Et cette nouvelle économie politique, d'ailleurs, va permettre effectivement de remettre l'économie de la Russie future soviétique en marche. Et donc c'est une aubaine aussi pour les bolcheviks que là de trouver cette bonne entente avec l'Allemagne. Après tout, ils avaient bien signé au mois de janvier 1918 la paix de Brest-Litovsk, qui n'était plus en guerre, et il n'y avait pas de raison à ce qu'il n'y ait pas un terrain d'entente. Et bien il y a eu ce terrain d'entente. Et alors là, évidemment. Évidemment, c'est la catastrophe. Parce que oui, l'Allemagne trouve un peu un ballon d'oxygène pour survivre économiquement, mais côté occidentaux, alors là, ça ne va plus, rien ne va plus, comme on dirait dans les jeux, comment dire, de hasard, hein, rien ne va plus, et Poincaré décide la rupture. Et cette rupture, elle va venir très vite, ça va être le mois de janvier 1923, quelques mois plus tard. En effet, face au comportement allemand extrêmement inquiétant pour les Occidentaux, aller se jeter dans les bras quand même si c'est un accord, un traité économique, rapallo, aller se jeter dans les bras des bolcheviks qui sont quand même la terreur de l'époque, c'est extrêmement inquiétant de la part de ce jeune État successeur vaincu qui est la République de Weimar. Et Poincaré se dit, il faut agir. Il faut agir tout de suite, il faut frapper fort. Et d'ailleurs, c'est la seule fois de cette triste entre-deux-guerres que ça arrivera de la part d'un pays occidental, hein, sachez-le. Et qu'est-ce que décide Poincaré? Eh bien, avec une partie des troupes, comment dire, belges, hein, la Belgique est l'alliée de la France, hein, toujours dans cette période, décide d'une opération que l'on dirait aujourd'hui de unilatérale, hein, et un corps expéditionnaire franchit la frontière entre la France et l'Allemagne. On envoie l'armée, tout simplement, occuper ce qu'on appelle aujourd'hui encore la Ruhr. Ruhr, qu'est-ce que c'est que la Ruhr? La Ruhr, si vous voulez, c'est le poumon économique de l'Allemagne. C'est là où se trouvent concentrées toutes les industries, à la fois d'acier, si vous voulez, toute la métallurgie, d'une part, dans ce qu'on appellera aujourd'hui les industries lourdes, si vous voulez, et en plus les fameuses ressources fossiles, hein, le charbon, le gaz, etc. La Ruhr, c'est le poumon économique. Hein. Si on enlève ça à la République de Weimar, l'Allemagne s'arrête, si vous voulez. Donc la France ne s'y trompe pas, et quelle est l'idée? Bah, c'est d'envahir cette zone, de la placer évidemment sous un commandement, comment dire, occidental, franco-belge, hein, et avec un gouverneur militaire, etc., etc., et de faire fonctionner les industries allemandes, les mines de gaz, les mines de charbon, etc., au profit des puissances occidentales. En gros, les puissances occidentales, avec cette invasion de la Ruhr, hein, décidée par Poincaré, décident de faire tourner l'économie allemande à leur profit, tout simplement pour que, bah, ils payent en nature, tout simplement. Ils peuvent pas payer. Ils vont s'allier avec les bolcheviks, ils ne veulent pas payer, etc. Ils ont un comportement inquiétant. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire, nous, occidentaux? Eh bien, nous allons aller nous servir directement, avec le gaz, le charbon allemand, faire tourner les industries allemandes à notre profit. C'est ça, l'invasion de la Ruhr. Et ça déclenche, et vous l'avez bien compris, la première crise internationale de la période.
Bien avant toutes celles que va provoquer Hitler, bien avant celles que va provoquer même aussi Mussolini, ben non, bien avant tout ça, la première qui, de ces crises de ce monde pourtant que l'on voulait idyllique, sous les auspices de la SDN, etc., eh bien la première de ces crises internationales, c'est les Français, qui vont la provoquer, c'est la France qui la provoque par rapport à cette question des réparations allemandes, invasion de la Ruhr en janvier 23. Crise internationale, le monde s'agite, bien sûr, on se dit, mais que se passe-t-il? Parce que, bien sûr, les Allemands, vous l'avez bien compris, n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire. Même si c'est la République de Weimar, mais c'est un État faible, etc., etc., les ouvriers allemands, les mineurs allemands se mettent en grève. Il y a des incidents très graves, il y a des morts. Et bien sûr, ça relance, vous avez bien compris, une activité sociale particulièrement virulente dans le nord de l'Allemagne. Une activité, même à la limite, qui fait l'aubaine du Parti communiste allemand en place à l'époque, et qui risque de déstabiliser toute l'Allemagne, risque de guerre, risque de déstabilisation, et peut-être, pourquoi pas, si ça continue comme ça, de reprise d'une guerre, et pourquoi pas, d'un basculement de l'Allemagne dans le camp bolchevique naissant. Et pourquoi pas, effectivement, vous imaginez un peu ce que cela pouvait représenter à l'époque. Alors c'est évidemment absolument dramatique et il va falloir attendre l'année suivante, c'est-à-dire l'année 1924, pour qu'on sorte de cette crise. Et qui va permettre de sortir de cette crise? Ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui avaient quitté le champ depuis 1919, rappelez-vous, puis la signature des traités de paix, une fois Wilson avait obtenu satisfaction avec ses revendications, les États-Unis avaient une nouvelle période d'isolationnisme qui s'était remise en place. Mais là, il va y avoir effectivement un retour des États-Unis dans le jeu international. Le plus grand de ces retours sera en 1941, vous le savez bien, avec l'entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une autre histoire. Mais là, il s'agit d'un retour tout simplement sur le plan économique. C'est-à-dire, alors n'allez pas confondre ce plan d'aide économique allemand qui va être proposé aux Allemands par les États-Unis, qu'on va appeler le plan Dawes, en 1924. Ce plan Dawes, Dawes, c'est le nom du secrétaire au Trésor des États-Unis à l'époque. C'est quoi? Ça va être que les États-Unis vont prêter des dollars à l'Allemagne, à la République de Weimar, pour qu'elle puisse enfin alimenter la pompe, si je puis dire, du moratoire qui a été décidé sur le paiement de ces réparations. Le plan Dawes, ne l'oubliez pas, c'est très important. Et il ne s'agit pas de le confondre, je précise tout de suite, ne le faites pas, car je le vois souvent dans les copies de fin d'année, d'aller confondre ça avec le célèbre plan Marshall. Célèbre plan Marshall de l'après-45, 1946-47, plan Marshall, dont on parlera plus tard, qui n'a rien à voir avec le plan Dawes. Le plan Marshall, c'est un plan massif d'aide à la reconstruction de l'après-guerre. Et en plus, qui n'ont pas proposé à un seul pays, mais à tous les pays de l'Europe. Ça n'a rien à voir avec le plan Dawes. N'allez pas me dire que c'est le plan Marshall de l'époque ou je ne sais quoi, pas de confusion. Non. Là, il s'agit d'un prêt en dollars fait par le fait des États-Unis à l'Allemagne pour qu'elle puisse enfin commencer le paiement de ses réparations. C'est très important de le retenir parce que grâce à cela, on va sortir de la crise. Une solution va être trouvée, en effet, 1924. Les troupes franco-belges vont évacuer la Ruhr, la tension internationale redescend, bien sûr. On a quand même frôlé une reprise de la guerre, faut bien le dire, voire des choses peut-être encore pires. Sachez-le, c'est très important. Aujourd'hui, cette crise de l'invasion de la Ruhr est complètement oubliée. Mais j'insiste bien dans ce cours d'histoire de l'Europe centrale que vous le reteniez, parce que c'est ça aussi ce qui se passe dans les années 20 dans notre espace. C'est vraiment très important. Donc, redescente de la tension internationale, le plan Dawes 1924 va permettre effectivement le paiement, le commencement de paiement de réparation. Et enfin, a lieu la grande conférence stabilisatrice des relations entre les Occidentaux et l'Allemagne,
La conférence que l'on veut, comme étant celle, si vous voulez, donc la quatrième de la série, comme étant celle, si vous voulez, tout simplement du retour à la normalité, quelque part, et donc de la stabilisation, enfin, non seulement du lien entre les Occidentaux et l'Allemagne, mais par conséquent, bien sûr, de toute la région, et de toute l'Europe centrale, qui est tout autour. Et cette conférence va être celle de Locarno, du 5 au 16 octobre 1925. Donc, ces fameuses conférences, je reviens, mais vous le retrouverez dans les fiches diverses. La première, je vous le rappelle, était la conférence donc de Spa en Belgique. Conférence de Spa, juillet 1920, celle de Cannes en janvier 1922, celle de Gênes d'avril à mai 1922, où il y a le gros clash du traité signé Rapallo entre la République de Weimar et la toute jeune Union soviétique. Et après quoi nous avons l'invasion de la Ruhr, la crise de la Ruhr, l'invasion de la Ruhr en janvier 23, le plan Daos en 1924, d'aide économique, et donc ensuite cette grande conférence stabilisatrice, et vous allez voir en quoi, qui a lieu du 5 au 16 octobre 1925 à Locarno. Grande conférence extrêmement importante, puisque elle va permettre en effet de réunir d'une part autour de l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Italie. À cette époque-là, nous sommes en 1925, on y reviendra tout à l'heure, il y a donc déjà Mussolini, déjà son régime fasciste, mais sachez qu'il y a deux périodes dans la période du régime fasciste de Mussolini, une période où ce régime, qui est considéré comme anticommuniste à juste titre, est évidemment particulièrement choyé par les Occidentaux, pas de problème avec le régime de Mussolini, si vous voulez, jusqu'au début des années 30, avec les puissances occidentales. Le problème viendra après, quand il se rapprochera d'Hitler. C'est important de bien le comprendre. J'y reviendrai. Bien sûr, à cette conférence, associée l'Allemagne et puis l'ensemble des pays de la région. Et il y a trois grands points qui sont nommés. Alors, à côté français, c'est Aristide Briand, Poincaré, qui a perdu la face avec son histoire d'invasion de la Ruhr, perd les élections, définitivement partira vers une éternelle retraite pour le président donc Poincaré. Et c'est évidemment son grand challenger de l'époque, si vous voulez, Aristide Briand, qui revient aux affaires. Et c'est lui, tant qu'il est à la fois président du Conseil et, ne l'oubliez pas, ministre des Affaires étrangères, sous la Troisième République, l'usage, en effet, surtout après la Première Guerre mondiale, fera que généralement le président du Conseil était en même temps aussi le ministre des Affaires étrangères, ce qui vous donne une idée de l'importance, que l'on donnait à cette époque-là, en tout cas, à la politique étrangère, avec les enjeux, vous avez bien vu, absolument considérables, qu'il y avait. Donc, et côté allemand, eh bien, c'est le chancelier de la République de Weimar de l'époque, donc un successeur de Rathenau. Rathenau, c'était le Rapallo. Là, c'est Gustav Stresemann, Streseman, qui donc, aux côtés d'Aristide Briand, eh bien, va signer ce qu'on va appeler les fameux accords de Locarno. Accord de Locarno qui vont tout simplement ramener l'Allemagne, réarrimer l'Allemagne parmi les pays désormais qui peuvent retourner dans le concert des nations. L'Allemagne, grâce à la signature de ces accords de Locarno, va réintégrer en 1926 la SDN, va l'intégrer. Elle va donc être considérée désormais, en 1926, c'est considérable, ça, moins de 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne donc va être considérée désormais comme un pays digne de revenir dans le concert des nations et donc de siéger avec les autres nations au sein de la Société des Nations, à la SDN, septembre 1926. C'est quand même très important. C'est aussi le moment, sachez-le, où la jeune URSS de Staline va quitter la SDN. À la même époque, c'est important de le noter parce que ce n'est pas nécessairement là une très très bonne nouvelle. Mais j'y reviendrai.
Alors, les trois grands axes de ces accords de Locarno sont très importants. Alors, le premier, c'est la signature du pacte rhénan, pour commencer, dans lequel l'Allemagne, la France notamment, et bien sûr la plupart des alliés, dont la Belgique, dont l'Angleterre aussi et l'Italie, reconnaissent, si vous voulez, l'inviolabilité de leurs frontières. L'Italie ici, de Mussolini, étant bien sûr représentée comme l'un des plénipotentiaires des pays vainqueurs. Ne l'oubliez pas, l'Italie avait rejoint les pays occidentaux dans la Première Guerre mondiale en 1915. Grande frustration, c'est vrai, 1919-1920, puisqu'elle n'ayant estimé pas avoir obtenu suffisamment de compensation pour être dans le camp des vainqueurs. Tout cela, on l'oublie. Avec le pacte rhénan, on reconnaît l'inviolabilité des frontières. Désormais, la nouvelle carte qui est née, qu'on a vue ensemble en détail, est définitivement cimentée, du moins le croit-on. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1925. Évidemment, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se produire après. Deuxième point, des conventions sont signées entre l'Allemagne d'une part, la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie, important ça aussi, hein, dans lequel bien sûr on s'engage à ne pas avoir recours à la force en cas de problème éventuel à venir de frontières. Donc la diplomatie, hein, le droit international est inscrit pleinement dans ces accords de Locarno. C'est le second point, c'est fondamental pour l'époque. Hein, vous pouvez me croire. Et troisième point, et ça c'est peut-être l'aspect ironique de ces accords de Locarno, eh bien la France signe des traités bilatéraux avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, des traités d'alliance défensive. C'est extrêmement simple, ce genre de traité. Si un des États en question, la Pologne ou la Tchécoslovaquie, était attaqué, était inquiété dans son intégrité territoriale, dans le futur, dans 1925, hein, on n'est pas dans les années 30, hein, donc là on craint peut-être des risques venant de l'URSS, hein, menaçante, commence à être menaçante à l'époque, plutôt que autre chose. Personne n'imagine qu'un Hitler va arriver au pouvoir en 25, certainement pas. Mais néanmoins, ces traités existent d'assistance. Ils existent. Et c'est ce traité-là que, eh bien, en 1939, la France va honorer quand la Pologne va être envahie par l'Allemagne, hein, en septembre 1939. Hein. C'est ce traité qu'elle avait signé donc à Locarno. C'est aussi celui-là qu'elle va oublier d'honorer en 1938. On aura l'occasion d'y revenir quand un certain Hitler, hein, là encore, va envahir la Tchécoslovaquie au terme de la crise provoquée de la minorité des Sudètes. Je vous rappelle à ce sujet que j'ai diffusé un petit film dans lequel vous voyez le déroulement dramatique dans le cours sur les minorités comment dire, l'entrée des troupes allemandes, même si c'est un film de propagande de l'époque, sur les territoires des Sudètes, hein, ce fameux territoire donc peuplé de locuteurs allemands en Tchécoslovaquie. Hein. Notez-le bien, c'est fondamental parce que ce traité d'assistance militaire avec la Tchécoslovaquie, eh bien, il est signé, hein, en 1925, à Locarno, la France ne l'honorera pas. Elle honorera l'année suivante celui avec la Pologne. Vous me direz, elle n'avait peut-être plus tellement le choix. Néanmoins, nous ne sommes pas du tout là dans une période dramatique, mais plutôt une période euphorique, hein, 1925. Et c'est évidemment le grand moment de ces accords de Locarno. On pense vraiment que définitivement, hein, définitivement, la question des réparations est réglée, l'Allemagne s'engage à payer avec ses moratoires, grâce au plan Daus, que toute la région, évidemment, de fait, est stabilisée, notamment au niveau des frontières, hein, et tout cela, évidemment, permet, en 1926, d'une part, l'entrée de l'Allemagne désormais comme un pays honorable, si on peut dire, désormais redevenu fréquentable à la Société des Nations. Et pour cela, sachez aussi, c'est important pour l'histoire, que Gustave Stresemann pour l'Allemagne et Aristide Briand pour la France recevront chacun le prix Nobel de la paix.
Hein. Prix Nobel, je vous rappelle, chaque année, il est cerné par l'Académie Nobel, hein, c'est bien connu, et chaque année, on tergiverse encore aujourd'hui, en 2021, sur qui aura le prix Nobel. Alors le prix Nobel aujourd'hui est diversifié, il y a le prix Nobel de la paix, c'est le plus prestigieux. Rappelez-vous, Barack Obama l'avait obtenu, etc. Bon, une longue liste de personnages. Hein. Et donc, ça a aussi le prix Nobel de médecine, etc., etc., etc. C'est vraiment très prestigieux déjà à l'époque. Hein. Donc c'est important. Alors tout cela, évidemment, va profondément stabiliser notre zone centro-européenne. Mais pourtant, bah oui, il y a quand même une temporisation à faire. Vous vous en doutez. Et cette temporisation, c'est quoi? Bah, ça va être que la question, notamment de la stabilisation de la zone, va être progressivement remise en cause. En effet, qu'est-ce que c'est que ces fameuses milieu des années 20 et fin des années 20, c'est d'abord la remontée en puissance de la jeune Union soviétique, qui, après la mort de Lénine, passe totalement sous le contrôle de Staline. Staline, qui avant tout est un pragmatique, qui va donc conforter à la fois l'économie, l'industrie lourde de la jeune Union soviétique, et aussi, comment dire, se forger une armée, hein, une armée particulièrement renforcée, donc la fameuse armée rouge, hein, et afficher aussi publiquement. Donc Staline, eh bien le grand regret, c'est pas qu'avec cette fameuse paix de Brest-Litovsk de janvier 1918, que même le pauvre tsar Nicolas II avait qualifié de honteuse, hein, imaginez, alors que bon, il a été liquidé par les bolcheviks quelque temps plus tard, eh bien Nicolas II, donc, eh bien avait quand même lui aussi pas apprécié ça. Et Staline, qui est aussi un nationaliste profond, hein, eh bien va donc n'avoir de cesse que de zioter, si je puis dire, sur les pertes territoriales, la Pologne, une partie en tout cas, sur évidemment aussi les États baltes, et à lorgner profondément sur ses frontières occidentales, ça c'est tout à fait clair, qui vont en ressentir la pression et la menace. Ça c'est un des premiers points, et qui va aller en grandissant au fur et à mesure que l'on va terminer les années 20 et aller dans les années 30. Ça va donc entraîner quoi? Hein, notamment en Pologne, eh bien, la tendance des États baltes et de la Pologne, par exemple, à aller vers des régimes de plus en plus autoritaires. Hein, voire des démocraties plus ou moins en suspens avec des militaires au pouvoir. Hein. Ça aussi, c'est important de le noter, c'est un des premiers facteurs de déstabilisation. La menace, hein, de ce que l'on craignait, de la révolution bolchevique, pèse toujours et va peser de plus en plus. Les autres aspects, c'est la déstabilisation des problèmes dus au traité de paix qui continueront. L'Autriche, évidemment, est de plus en plus gangrénée, bien que étant une démocratie post, évidemment, post désintégration des empires, est bien sûr vaincu, successeur vaincu, l'Autriche, mais en proie à des fortes pressions politiques toujours de plus en plus grandissantes, hein, avec des partis pro-germaniques, ultranationalistes, dont l'objectif, hein, est un rattachement avec l'Allemagne. Alors, tant qu'il y aura la République de Weimar, pas de problème, mais imaginez ça à partir de 1933, profonde déstabilisation aussi à venir donc pour l'Autriche. Le cas évidemment de la Hongrie, on l'a vu, est un maintien d'une tension importante due à l'état de ces réductions territoriales et des mouvements anti-traité de paix qui s'y développent, hein, notamment, je vous le rappelle, avec des millions et des millions de Hongrois qui se retrouvent en dehors de leur territoire. Ça aussi, ça ne va pas en stabilisant les choses. Hein.
Et du côté de la Grande Roumanie, eh bien, les pressions sont multiples, avec le voisin hongrois d'une part, mais aussi avec l'URSS voisine, et qui devient aussi de plus en plus menaçante. Quant aux Balkans, oui, la Yougoslavie, c'est certain, va bien jouer son rôle dans la petite entente, du moins au début, hein. Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, une monarchie donc fédérale, au type confédérale, avec quand même une stabilisation de la question de cette fractalisation minoritaire, hein, dont on a parlé concernant la Yougoslavie. Mais ça sera sans compter avec un important voisin, qui est le royaume de Bulgarie, hein, qui est rongé par les mouvements terroristes de l'ORIM et par la question macédonienne. Cette question macédonienne va empoisonner, sachez-le, également la bonne stabilisation de toute la région. Toute cette période, si vous voulez, va se terminer bien tristement. Vous avez la conjonction de tous ces facteurs, hein, dont que je viens d'évoquer. Y a deux aspects qui vont faire que cette période se termine à la fin des années 20. Un qui est vraiment très facile à retenir, puisqu'il s'agit à la fin de l'année 1929, du fameux krach financier, hein, de Wall Street, hein, la première grande crise économique du XXe siècle. Il y en aura d'autres ensuite, et aussi au XXIe, on le sait, hein, jusqu'à 2008, hein, voire au-delà. À cette époque-là, c'est 1929, gros effondrement monétaire qui se produit, hein, et cet effondrement monétaire du dollar, eh bien, devinez quel est le pays qui va être impacté immédiatement. Hein, devinez, c'est évidemment la République de Weimar, où tout allait tellement mieux, n'est-ce pas, depuis 1925, hein, l'Allemagne qui était restabilisée, hein, qui pouvait repartir enfin, comment dire, un peu comme avant, avec une économie qui redémarrait. Oui, mais le plan Daus de 1924 a profondément lié la monnaie allemande, hein, avec le dollar. Le dollar s'effondre, hein, littéralement en 1929. L'impact immédiat est pour l'économie allemande, dont la monnaie va s'effondrer elle aussi. L'Allemagne rebascule d'une façon violente dans une crise économique et sociale et politique absolument catastrophique. Je vous rappelle que la précédente période de grands troubles de l'année 23 avait été marquée, ne l'oubliez pas, par la naissance et l'émergence de ce parti nationaliste allemand, du parti du NSDAP, dirigé par un agitateur du nom de Hitler. Hein, n'oubliez pas qu'à la fin de l'année 23, il y a une tentative de coup d'État des nazis à Munich, hein, qui échoue. Hitler est enfermé en prison pendant plusieurs années, où il écrira d'ailleurs ses théories dans son livre Mein Kampf. Hein. C'est extrêmement important de le noter. Hein, période de déstabilisation, naissance donc de ce qui sera le grand rival du Parti communiste allemand dans les années 20 et 30, hein, c'est-à-dire le Parti nazi. 1929, vous imaginez, c'est l'aubaine pour les partis extrémistes, avec cet effondrement de l'économie allemande, une véritable aubaine, hein, pour le Parti communiste d'une part, hein, qui se dit ça y est, on est reparti, on va peut-être faire la révolution, on va déclencher les grèves, etc. Et évidemment pour les nazis, qui vont en profiter aussi considérablement. Hein. Ce qui va pas en profiter, c'est la démocratie, hein, et la liberté en Allemagne, c'est une évidence. Profond effondrement, donc 1929, qui va bien sûr, et vous l'avez bien compris, entraîner tous les autres pays qui sont tout autour. Hein. Parce que, bien sûr, dans les effets de crise économique, hein, ça connaît pas de frontières, hein, si vous voulez. C'est un peu comme dans les virus, hein, si je puis oser, comment dire, ce genre de parallèle de nos jours, hein, c'est la même chose. Ça ne connaît pas de frontières, ça se répand partout, hein, une crise économique. Et c'est ce qui va se produire. Premier facteur de cette fin des années 20. Et le deuxième, c'est la fin aussi de la génération des hommes politiques qui avaient gagné la Première Guerre mondiale. Tous ces gens que j'ai évoqués avec vous depuis ces derniers cours, Georges Clemenceau, le père de la victoire, hein, mort en 1929. Pourtant, il avait cessé, Clemenceau, il était aux côtés de Poincaré, c'est vrai, tout à fait pro-invasion de la Ruhr, Clemenceau. Clemenceau, dont les soucis étaient d'éviter la renaissance de la puissance allemande et qui voyait évidemment les dangers
qui, comment dire, se profilait à l'horizon. Très bon sommaire en 1929. Aristide Briand, notre fameux prix Nobel de la paix, l'homme de Locarno en 1925, Briand, il meurt en 1932. Et enfin Poincaré, le grand symbole, si vous voulez, de l'intransigeance et de la politique d'exécution musclée, hein, de l'ordre de Versailles. Il a quand même envoyé l'armée envahir le nord de l'Allemagne en janvier 23, Poincaré. Bah, Poincaré meurt en 1934. Autrement dit, cette génération politique disparaît. Et ça, c'est important, parce que c'est une des raisons, évidemment, qui va provoquer l'effondrement progressif des années 30. C'est-à-dire que la crise de 29, qui va donc entraîner une grosse crise économique, sociale et politique dans toute l'Europe assez rapidement, en commençant par l'Allemagne. Le fait que tout ça va déstabiliser tous les pays d'Europe centrale. Le fait également que la génération politique qui va arriver aux commandes dans les années 30 ne sera pas à la hauteur de celle qui avait assuré et forgé l'ordre de Versailles. Tous ces facteurs mis, comment dire, en place ensemble, plus la division des alliés face au fascisme et au nazisme qui va apparaître, tout cela, eh bien, va précipiter effectivement dans la catastrophe l'Europe et le monde ensuite dans les années 30. C'est donc bien, si vous voulez, au terme de cette première partie, une conjonction de facteurs défavorables qui sont mis ensemble et qui vont provoquer une sorte de cocktail explosif, si vous voulez, qui vont mener à ce qu'on appelle la faillite de la paix, la faillite des années 30, hein, que l'on va voir à présent, en tout cas au moins dans une première partie, puisque je propose d'aborder l'après-1938 la prochaine fois. Donc, deuxième partie à présent, hein, la marche vers une Europe fasciste. Alors, j'ai intitulé cette partie parce que elle va être un peu un préalable à nous faire rentrer dans la situation qu'on va connaître dans les années 30. Alors, vous me direz, mais pourquoi donc commencer à parler de l'Italie ici? Bah, tout simplement parce que Mussolini, à partir du moment où il arrive au pouvoir, hein, le 29 octobre 1922, eh bien, va être une rupture. Alors évidemment, le fascisme a une caractéristique profondément anticommuniste. C'est une évidence. Personne ne va, comment dire, contester cela. Et c'est d'ailleurs en bonne partie pour ça que ce régime donc dictatorial, qu'on n'ose pas dire donc totalitaire pour l'époque, sera soutenu par les Occidentaux. Parce que n'oubliez pas que quand même dans les années 20, surtout l'année 22, hein, c'est quand même l'année donc du fameux, de la fameuse conférence de Gênes et donc de Rapallo. Ne l'oubliez pas. On est plutôt en demande de régime musclé anticommuniste, hein. Ça reste vraiment la grosse peur, hein, de la région. Et dans la politique que va développer Mussolini, on le verra ici, il y a une politique étrangère particulièrement musclée, et de ce que dira Mussolini dans sa propagande, en tout cas Mussolini dans sa propagande de restauration, tout simplement de la grandeur de l'Empire romain passé, hein. Donc en tout cas une grosse politique étrangère d'influence, et Mussolini va profondément déstabiliser avec sa politique le fameux maillon si important, hein, de la petite entente, hein, la fameuse Yougoslavie, hein. Il aura une influence non seulement sur la Yougoslavie, Mussolini, mais aussi sur une bonne partie des Balkans, hein, avec sa politique de remilitarisation, hein, de l'Italie, et avec une politique étrangère particulièrement influente. Alors, c'est aussi important de l'aborder parce que c'est l'émergence du premier totalitarisme d'extrême droite, hein, donc de cette période, de ce XXe siècle, hein. On a d'abord, évidemment, le totalitarisme communiste, bon, ça c'est l'URSS, on l'a vu, et avec deux donc totalitarismes qualifiés d'extrême droite, le fascisme italien et le nazisme. Alors Mussolini arrive au pouvoir au terme d'une période d'agitation importante. L'Italie est très 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 déçue, hein, je vous le rappelle, par les traités de paix.
Bien qu'elle soit entrée dans la guerre en 1915, etc., elle ne va pas pouvoir récupérer la flotte qu'elle aurait rêvée de l'ex-empire austro-hongrois. On a évoqué tout cela. Pas mal de frustrations territoriales, grosse crise économique et sociale au début des années 20. Et ça fait le terreau, évidemment, de cet ex-socialiste journaliste qui s'appelle donc Benito Mussolini, né en 1883, mort en 1945, et qui, donc, avec son parti des faisceaux fascistes, hein, c'est-à-dire les chemises noires, hein, qui sèment la terreur dans les meetings de gauche, dans les meetings démocratiques, etc., va n'avoir de cesse que de provoquer une profonde agitation économique et sociale et politique pour donc accéder au pouvoir. Et il accède au pouvoir, comme d'ailleurs ce sera le cas de Hitler. Il accède au pouvoir, Mussolini, de façon parfaitement légale. Il organise une marche sur Rome pour faire peur, hein. Et puis le roi d'Italie, car je vous rappelle que l'Italie est une monarchie constitutionnelle à cette époque-là, eh bien va l'appeler comme président du Conseil, hein, le 29 octobre 1922. Et derrière tout cela, bien sûr, Mussolini va mettre en place son programme fasciste. Et qu'est-ce que c'est que ce programme fasciste qui est d'abord basé, ne l'oublions pas, sur un système économique original basé sur des corporations, c'est-à-dire que l'organisation du dialogue social, si on sait d'ailleurs qu'il est anticommuniste par nature, l'organisation du dialogue social dans la société économique, dans les entreprises, est, comment dire, totalement revue au travers de ce qu'on appelle des corporations, hein, dans lesquelles patronat et ouvriers dialoguent directement. C'est donc la fin des syndicats, la fin évidemment du droit de grève, la fin du militantisme, la fin, si vous voulez, de tout le terreau, hein, qui fait le développement même de l'agitation communiste. Et vous imaginez qu'à cette époque-là, hein, nous sommes dans le début des années 20, on a là une manifestation politique ultra-radicale, profondément anticommuniste par nature. Donc ça c'est important. L'organisation, première caractéristique du fascisme, des syndicats en corporation, plus de syndicalisme, dialogue direct dans ces corporations entre patronat et ouvriers. Donc liquidation évidemment du terreau de ce qui faisait le dialogue, pas le dialogue, mais la contestation sociale, la lutte des classes, si vous voulez, préconisée par le communisme. Donc deuxième axe, premier axe donc, une organisation économique anticommuniste par nature. Deuxièmement, évidemment, et c'est là qu'on entre dans une structure totalitaire, si vous voulez, mais d'extrême droite, avec un enrôlement de la jeunesse dans les organisations du parti au pouvoir. C'est-à-dire que dès l'âge de 5-6 ans, les enfants donc sont enrôlés dans des organisations paramilitaires dans lesquelles on les forme à la doctrine donc du régime fasciste, hein. Une propagande officielle au service évidemment du régime, un culte de la personnalité bien sûr autour du Duce, le guide, hein, qui est Mussolini, qui harangue régulièrement la foule, place de Venise. À Rome, hein, qui est cette place si emblématique, hein, si vous connaissez Rome, la Piazza Venezia, cette place où se trouvent des palais de part et d'autre, et puis surtout le fameux hôtel de la Patrie, hein, ce monument gigantesque qui évidemment est un monument qui commémore, hein, la création, la recréation simplement de l'Italie unifiée au XIXe siècle, hein, ça n'est pas rien. C'est un lieu extrêmement emblématique du nationalisme italien. Et c'est là que Mussolini délivrera progressivement ses grands discours et un culte de la personnalité, bien sûr, particulièrement développé. La fin, on l'a bien compris, des libertés fondamentales, hein, plus de liberté de la presse, d'association, de réunion. Liberté syndicale aussi, tout ça terminé. On est donc désormais dans un état totalitaire, c'est-à-dire un état totalitaire qui, discours économique mis à part, est bel et bien inspiré du totalitarisme soviétique. Il y a bien un culte de la personnalité, la fin des libertés fondamentales, l'enrôlement de la jeunesse, tous ces éléments-là. On se retrouve aussi dans le stalinisme, le communisme stalinien, hein, en plein développement à l'époque. C'est la même chose en Italie, mais vous l'avez bien compris,
sur avec un langage profondément opposé sur le plan économique. En plus de tout cela, évidemment, il y a le redressement, du pays sur le plan militaire. Alors, une augmentation de 70% des effectifs militaires, quand même, est mise en place par Mussolini. Une reconstruction, et là, un gros symbole important, ne l'oubliez pas, de la flotte de guerre, hein, parce que l'Italie, qui avait été tellement frustrée de ne pas récupérer la flotte de l'Empire austro-hongrois, hein, eh bien, va donc se doter de la cinquième flotte militaire de guerre de l'époque. Hein. C'est tout à fait considérable quand on sortait exsangue de la Première Guerre mondiale, comme ce fut le cas de l'Italie. Et puis également, autre aspect extrêmement important de cette politique que développe Mussolini, c'est que l'Italie veut se doter d'un empire colonial. Ah, empire colonial. Un vieux rêve, hein, qui avait mené, d'ailleurs, entre autres, à la Première Guerre mondiale. Hein. Rappelez-vous le jeune empire allemand voulait se doter lui aussi d'un empire colonial, pour faire comme la France et la Grande-Bretagne. Moi aussi, je veux un empire colonial. Hein. N'oubliez pas que les deux plus grands empires coloniaux, encore dans ces fameuses années 20, ben, c'est toujours la France et la Grande-Bretagne, hein. Plus que jamais, si je puis dire, parce que les colonies allemandes ont plus été récupérées, hein, par les franco-britanniques après la Première Guerre mondiale. Hein. On oublie souvent d'en parler, mais enfin, c'est important. Et pour Mussolini, ben, c'est pareil. Hein. Alors d'abord, il va se baser, hein, sur une invasion. Comment dire, une confrontation, mais plutôt de la colonie qu'avait l'Italie en Libye. Hein. La Libye, bah, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, hein, donc il y aura là un rattachement à ce que Mussolini va appeler le Nouvel Empire, hein, le Nouvel Empire romain, hein, qui se met en place. Hein. C'est la propagande de l'époque, hein, et ça peut faire sourire. Et puis un peu plus tard, bah, il y aura une véritable guerre d'agression, hein, au début des années 30, hein, contre un État indépendant qui ne demandait rien à personne, qui est en Afrique de l'Est et qui s'appelle l'Éthiopie, hein, que l'Italie va agresser au terme d'une guerre terrible où il y aura des utilisations de gaz, toutes les conventions de Genève seront, violées. Hein, et là, ça commencera vraiment à ne plus sortir très bon, si je puis dire, sur la présentabilité du régime mussolinien anticommuniste, parce que, bah, tout simplement, Mussolini fera fi de toutes les critiques occidentales dans cette invasion de l'Éthiopie, et ça va pas mal attirer l'attention de l'autre côté du Rhin, hein, ou si je puis dire, des Alpes, du côté de l'Allemagne, hein, qui va voir là l'Allemagne de Hitler, hein, naissante, qui va se dire, bah tiens, voilà un État totalitaire anticommuniste qui fait fi de la communauté internationale. Les Occidentaux seraient donc tellement affaiblis. C'est Mussolini un peu qui va pousser, hein, quelque part Hitler, hein, qui arrive au pouvoir en 33, dans ses audaces anti-occidentales. Hein, ne l'oubliez pas. Toujours ne pas oublier ça. Hein, c'est important, même si c'est périphérique à nos sphères centro-européennes. C'est le poids, hein, de l'émergence du fascisme en Italie. Hein, c'est important. C'est un paramètre, hein, qui va déstabiliser l'ordre de Versailles. Hein. Et puis, bien sûr, il y aura des revendications italienne sur quelques territoires, ou par exemple, grande victoire du régime mussolinien, même avant ces invasions coloniales, c'est 1926, hein, où la ville de Fiume, hein, qui avait été attribuée à la Yougoslavie, pays si important pour les Occidentaux, bien, est reprise, hein, par l'Italie. C'est un grand symbole. Sur les frustrations, hein, des fameux traités de paix. Donc, tout cela, évidemment, va accentuer, si je puis dire, bah, les craintes de notre espace centro-européen démocratique, et ce, dès qu'on va approcher de la fin des années 20. J'avais parlé du paramètre déstabilisateur des conséquences des traités de paix, c'en est un. Il y avait le paramètre de la menace soviétique, hein, en tout cas naissante de Staline, c'en est un autre. Et voilà que maintenant il y a ce trublion
César des temps modernes, comme on avait dit à l'époque, pour se moquer de lui, qui est Mussolini, avec une politique étrangère particulièrement agressive, qui tient de moins en moins compte de la vie des puissances occidentales. Et ça va rien arranger. Ça sera donc pour la Pologne, on l'a évoqué tout à l'heure. Et bien tout simplement le maréchal Piłsudski, un militaire, hein, qui va accéder aux affaires de 1926 à 1935, hein, et après rien ne va s'arranger comme vous en doutez. Donc ça c'est plus face au risque, hein, de la menace soviétique. Exactement les mêmes choses vont se produire dans les trois petits États baltes. Hein. Et puis on aura le phénomène important dans trois États du sud-est européen, si je puis dire, par extension, du phénomène dit des dictatures royales. Qu'est-ce que c'est que ces phénomènes des dictatures royales? Ben, c'est le moment où les monarques, dans des monarchies constitutionnelles pro-occidentales, en fait, si vous voulez, vont tout simplement interrompre les processus démocratiques suite aux menaces diverses que j'ai évoquées et établir, en fait, une dictature royale pour protéger leurs pays respectifs contre les diverses menaces. Alors ce phénomène, il concerne d'abord, et c'est bien dommage pour la petite entente, la Yougoslavie, 1910-1929. Hein, eh bien, le roi, Alexandre Ier de Yougoslavie, suspend la constitution et instaure une dictature royale, un régime ni autoritaire ni démocratique pour se prémunir, eh bien, des menaces des États tout autour. Et là, évidemment, pour se prémunir, on est en 29, vous l'avez bien compris, du comportement de plus en plus agressif de Mussolini, revendicatif même, hein, vis-à-vis des États, des Balkans, de l'Ouest, hein, de la Yougoslavie. N'oubliez pas qu'en 1939, Mussolini envahira l'Albanie. Hein, c'est important, un petit État qui est resté indépendant, lui. Donc, dictature royale, la première qui se met en place en Yougoslavie. La seconde sera dans le seul État successeur de la région vaincue, la Bulgarie, en 1934, hein, avec le roi Boris III. Pays miné par le terrorisme de l'Orim, par les problèmes macédoniens. Il faut stabiliser la Bulgarie, éviter qu'elle n'éclate. Là aussi, on craint des menaces, évidemment, plutôt du côté des Rouges. Hein. Et 1934, donc, c'est l'installation de la dictature royale, donc, de roi Boris III en Bulgarie. Et enfin, en Roumanie, hein, la Grande Roumanie, pays aussi important quand même, ça fait deux États là, de la petite entente, hein, la Yougoslavie qui devient une dictature royale en 1929, et en 1938, alors que tout va si mal, et on y reviendra la prochaine fois en Europe centrale, eh bien c'est la Roumanie, hein, où le roi Carol II donc, supprime la Constitution et établit un régime autoritaire. Vous voyez bien que même avant, hein, dans au moins deux cas, même avant que Hitler ne commence à détruire l'influence du traité de Versailles, bah même avant ça, déjà notre Europe centrale et orientale, ce si bon glacis d'État démocratique jeune, hein, du début des années 20, qui triomphe en 1925 avec le traité de Locarno, bah à la fin des années 20, début des années 30, déjà, il n'en reste déjà plus grand-chose. Et je vous donnerai une carte assez éloquente qui vous le montre, ce qui prouve bien quand même que les problèmes, en fait, nés des traités de paix, avaient déjà préparé le terrain. Ça n'est tarte à la crème historique que de le dire, car c'est dans tous les manuels historiques, hein, avait largement préparé le terrain aux pires aventuriers politiques qui pouvaient y avoir, que furent donc dans la région, en tout cas Mussolini d'abord, et ensuite bien sûr Hitler. Le cas de l'Autriche aussi est tout à fait emblématique. Hein. L'Autriche, je le mentionne quand même, hein, qui de 1932 à 1934 se voit dotée d'un régime autoritaire avec un chancelier, Engelbert Dollfuss, hein, contre toutes les menaces d'agitation révolutionnaire. Alors toujours l'agitation des Rouges, bien sûr, mais là aussi, et paradoxalement, contre les menaces d'Anschluss. Hein. Et là, je parle du début des années 30. Hein. Comment dire, de façon paradoxale, on a un régime autoritaire
plutôt fascisant dirigé par Dollfuss, hein, contre tout risque effectivement d'agitation et donc de rattachement à l'Allemagne. Dollfuss sera assassiné, hein, par les nazis, on le sait, en mettant un comble dans le chaos de l'Autriche, qui finira par basculer, comme vous le savez, en mars 38, hein, simplement l'unification forcée, hein, bien sûr, avec le Troisième Reich, on l'évoquera tout à l'heure. Alors face à tout ça, qu'est-ce que vous me direz? Mais que se passe-t-il? Donc, les démocraties sont paralysées. Oui, elles sont paralysées, et c'est, si je puis dire, le paramètre ultime de ces années 30. Elles se font de plus en plus paralysées, on le verra encore plus en détail avec la crise de Munich la prochaine fois, sur l'Europe centrale à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont paralysées car les principaux exécutants de ce système de Versailles, que l'on a vu depuis le début, hein, ne sont pas d'accord. Les franco-britanniques ne sont pas d'accord entre eux. La Grande-Bretagne va rester obnubilée par la volonté de maîtriser les rouges, par la volonté, de ne pas voir l'Empire soviétique s'étendre à nouveau. Hein. La bête noire, c'est Staline. Hein. Volonté de non-intervention face à des États anticommunistes comme cette Italie, d'abord dans les années 20, et puis ensuite évidemment Hitler. Hein. Ça, c'est la position des Britanniques. Du côté de la France, on va souhaiter réarmer assez vite, seulement la France est retardée en 1936 par le Front Populaire, qui est un grand moment de conquête sociale, hein, on va être davantage concentré sur les problèmes intérieurs, comme pour la Grande-Bretagne aussi, hein, les influences évidemment de la crise de 29 font qu'on est davantage concentré sur la politique intérieure que sur la politique étrangère. Malheureusement, il fallait à cette époque être concentré sur la politique étrangère, malheureusement, il était trop tard. Dans le cas de la France, c'est seulement en 1938, hein, alors que un des successeurs de Léon Blum arrive au pouvoir, Édouard Daladier, on reviendra sur lui plus tard, qu'on va développer une politique de réarmement, c'est-à-dire quand même que effectivement Hitler va devenir le champion du révisionnisme anti-traité de paix, anti-traité de Versailles. Hein. L'idée de resserrer aussi la petite entente, hein. Mais tout ça interviendra qu'en 1938 côté français. Hein. On va avoir des démocraties, non pas, retenons-le quand même, non pas paralysées, parce qu'elles auraient eu un affaiblissement militaire. La France est encore considérée au début des années 30 comme la première puissance militaire mondiale, hein, je vous le signale, mais parce que les points de vue de traitement de ces phénomènes de fascisme et ensuite de nazisme en Europe vont avoir un point de vue différent. Le comble absolu étant, vous le savez, la guerre d'Espagne qui éclate en 1936, hein, qui fera 500 000 morts, hein, de 36 à 39, où les puissances occidentales, et qui plus est le gouvernement de Front Populaire en France de 1936, soutiendra que très modérément les républicains espagnols face aux militaires regroupés autour de Franco, qui s'affichent eux aussi de façon ostentatoire comme un projet de gouvernement fasciste. Il ne faut pas l'oublier, hein. Le troisième totalitarisme d'extrême droite, hein, qui s'installe en 1939, ce sera à Madrid. 1939, hein, c'est quoi? C'est le fascisme de Franco, hein, qui lui, mes chers amis, ironie de l'histoire là aussi, va rester au pouvoir jusque quand même dans les années 70. Parce que, dans le cadre de la guerre froide, on considéra que l'Espagne sera un maillon très important anticommuniste, hein, car avec un régime militaire fasciste de Franco. Et ça n'est pas glorieux, mais c'est la vérité.
Alors, je vous propose à présent une courte pause, comme nous en avons pris l'habitude, avant d'aborder la troisième partie, donc qui sera consacrée à l'après-1933 et ses conséquences, c'est-à-dire, si vous voulez, l'arrivée dernier protagoniste de toute cette triste histoire, cette fois-ci des années 30, qui sera l'installation du régime nazi à partir de janvier 33 en Allemagne et le grand démarrage de la destruction point par point de l'ordre de Versailles qui mènera, comme vous le savez, directement à la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis pour cela, à tout de suite. Retour maintenant sur notre troisième et dernière partie, après 1933 et ses conséquences. L'arrivée au pouvoir de Hitler, effectivement, dans le contexte que je viens d'évoquer avec vous, le 30 janvier 1933, et avec le programme, si je puis dire, pourtant bien connu de Hitler, allait vraiment tout changer et, si je puis dire, complètement pulvériser, hein, notre ordre de Versailles. Je parle d'un programme connu dans la mesure où les grandes. On se sert toujours un débat historiographique, mais les grands axes de ce programme hitlérien, tant sur le plan, si je puis dire, racial, exterminateur, totalitaire, qui était prévu, que sur aussi le plan territorial. Tout cela avait été largement évoqué dans les grandes lignes de son ouvrage qu'il va écrire en captivité après le putsch raté de novembre 1923 à Munich, hein, donc qui s'appellera Mein Kampf. Faut pas oublier que cet ouvrage aura un grand succès sur le plan littéraire, hein, surtout évidemment dans l'Allemagne de cette période si agitée. Hein. Et que donc le programme des nazis, on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'il n'était pas déjà largement connu, hein, quand donc cette équipe, comment dire, sera élue, hein, le 30 janvier 1933 à la Chambre, donc au Reichstag. Alors, ça, c'est une première chose qu'il faut bien noter, que Hitler va être, évidemment, pour notre propos sur l'Europe centrale, va se faire le champion, bien sûr, de tous les révisionnismes. C'est lui qui va oser, comment dire, défier les puissances occidentales, et ce, alors qu'il n'avait même pas encore reconstitué de puissance militaire. Hein, et qui va donc montrer que bah, tout simplement cet ordre de Versailles pouvait être complètement cassé, brisé et remodelé pour autre chose. Hein. Et on va voir un peu ici dans cette troisième et dernière partie comment, en allant jusqu'au seuil de la crise, de toutes les crises, si je puis dire, de la période, qui sera bien sûr la crise des Sudètes, qui mènera à la conférence de Munich en 1938, auquel nous consacrerons une séance tout entière la prochaine fois. Alors, 30 janvier 1933, bah, effectivement, au terme d'agitation politique, de terreur, notamment, n'oublions pas que le parti nazi est quand même structuré, beaucoup, fait beaucoup penser au parti fasciste de Mussolini. Cette fois-ci, ce sont des chemises brunes, non pas des chemises noires, hein, si je puis dire, des gros bras
du parti nazi, les SA, les sections d'assaut, qui n'ont de cesse que de terroriser les meetings adverses, de évidemment cibler des attentats contre des militants, contre tout ce qui est considéré comme de gauche, social-démocratie, communiste, etc. Bien sûr que la marche vers le 30 janvier 1933 se fait dans une violence politique absolument démentielle, hein, que même on ne retrouverait pas aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler. Tant et si bien que ce 30 janvier 1933, bah, tout simplement, le président de la République de Weimar, République fédérale allemande de Weimar, le maréchal von Hindenburg, une vieille gloire passée de la guerre de 14-18, c'est lui qui avait gagné contre les Russes à la bataille de Tannenberg, hein, n'oubliez pas, Hindenburg, vieux soldat, président de la République de Weimar, appelle Hitler à être chancelier 30 janvier 1933, simplement parce que le parti nazi a remporté au Reichstag la majorité des voix. C'est donc Hitler qui est le chef de la majorité politique. Et dès les tout premiers jours, hein, de l'arrivée au pouvoir de Hitler, eh bien son programme va être mis en place et la structuration d'un État totalitaire nazi, national-socialiste. Alors l'idéologie nazi, vous allez le voir, a une spécificité particulière, hein, par rapport au fascisme. Certes, évidemment, anticommuniste, etc., bon, ça, on avait bien compris. Totalitaire, évidemment, aucune liberté, etc., aussi. Hein. Mais il y a d'abord, au cœur de l'idéologie nazie, les théories raciales des nazis. Hein. C'est-à-dire que le germain, ce qu'on appelle l'Aryen, le grand blond germanique, est placé en haut de toute la pyramide, de toutes les races. Toutes les autres races sont considérées comme inférieures, et ce nazi grand blond, d'une part, premier élément, doit s'unifier avec tous les autres nationaux allemands qui se trouvent en dehors du territoire du Reich, désormais, puisque c'est le Troisième Reich. Hein. Je vous rappelle que le Premier Reich, hein, c'était le Saint-Empire romain germanique, hein, celui du Moyen-Âge. Le Deuxième Reich, c'est celui de 1870, c'est la fameuse unité allemande, hein, autour de Guillaume Ier et de Bismarck. Et le Troisième, évidemment, c'est celui que Hitler entend restaurer, comme Mussolini veut restaurer son Empire romain. Hitler veut restaurer un Troisième Reich qu'il estime qui devra durer 1000 ans et qui va d'abord réunifier tous les peuples allemands au travers d'un espace vital mis ensemble. Deuxième aspect important dans ces théories, c'est que il y a des catégories dans les races dites inférieures dont des catégories doivent être exterminées car considérées historiquement comme ennemies du Reich, ennemis des Aryens, etc. Leur ciblage, vous le connaissez, c'est bien sûr ce sont les Juifs. Donc les Juifs, c'est une minorité si importante en Europe centrale, donc qui va beaucoup souffrir. Ce sera la Shoah, des millions de morts, on en reparlera. Les Tziganes aussi, autre minorité qui est mise à la vindicte, qui devrait être exterminée, puis bien sûr tous les autres catégories politiques, cette fois-ci considérées comme politiques ou sociales. J'ai nommé bien sûr les communistes, les sociodémocrates, les francs-maçons, puisque considérés comme un vecteur de résistance, de liberté, hein. Les homosexuels, etc. Bref, tout ce qui n'entre pas dans le cadre, si vous voulez, du national-socialisme et de ses théories exclusives. Bref, il y a dans le nazisme
un projet d'extermination massive de toutes ces catégories de population que j'ai évoquées, la première étant les Juifs. Voilà ce qui se met en place. Voilà quelque chose, si vous voulez, que l'on n'a pas revu nulle part. Alors vous me direz, oui, le communisme avait le goulag et l'élimination de catégories de population, c'est parfaitement exact, mais il n'y avait pas d'extermination systématique, scientifiquement décidée, si vous voulez. Certes, évidemment, bien sûr, le système du goulag a fait bien plus de morts parce qu'il a fonctionné, mais n'oublions pas aussi pendant des décennies, hein, ce qui ne fut pas le cas du nazisme, mais la spécificité nazie de la destruction systématique, méticuleuse, de catégories de population reste, selon moi, une spécificité, et c'est ce qui place cette idéologie totalitaire parmi la pire de toutes. Ça ne revalorise aucune autre, ça c'est une évidence, mais c'est aussi la pire de toutes, qui est le nazisme. Je pense qu'il est nécessaire de le rappeler. Il faut catégoriser, il faut pas avoir honte de le dire, dans la mesure où surtout elle représente un risque de retour, hein, comment dire, éventuelle une menace de retour politique que j'espère nous ne verrons pas, mais je pense que ça fait partie du travail de mémoire que de le rappeler. Alors sinon, nous retrouvons bien sûr les caractéristiques d'un régime totalitaire d'inspiration fasciste, avec le parti nazi qui est bien sûr central dans l'État allemand. Hein. C'est un État-parti, tout comme l'État-parti communiste, tout comme l'État-parti fasciste, c'est-à-dire que tout le monde, ou presque, est obligé d'avoir une carte du parti, et que sans carte du parti, eh bien, tout simplement, on ne peut pas avoir la jouissance de tous les droits des citoyens, d'un citoyen du Troisième Reich. Tout cela est encadré par des organisations paramilitaires, hein, donc les sections d'assaut qui assurent la sécurité des meetings, qui assurent aussi le tabassage de toutes les catégories jugées comme étant à éliminer. Et puis les SS, hein, sections cette fois-ci de sécurité, hein, SS, Sturmstaffel, donc qui elle a pour principale fonction d'assurer d'une part la sécurité des dignitaires et aussi, notons-le, qui va gérer, administrer tous les camps de la mort qui rapidement, dès 1933, hein, les premiers camps de concentration sont déjà installés, qui sont d'abord des camps de détention extrêmement, comment dire, sévères, extrêmement durs, et qui, bien sûr, vous le savez, évolueront ensuite après vers le fameux système des camps de concentration, d'extermination, où les populations jugées à la vindicte du Troisième Reich, les Juifs, les Tziganes, etc., seront systématiquement massacrés et éliminé, hein, dans un système, vous le savez, scientifique, hein, de chambres à gaz, de séparation des faibles, des plus forts qui iront travailler, et toutes les autres catégories qui ont directement seront gazées et ensuite donc réduites en cendres dans des fours. Hein. Donc, pour autre caractéristique de ce régime nazi, bien sûr, une police politique, hein, la Gestapo, qui assure évidemment que tous les opposants puissent être arrêtés, et le respect évidemment des règles du système nazi, surveillance, hein, délation, espionnage de toute personne, hein, contraire au régime. Un ministère de la propagande, hein, propagande extrêmement important pour le régime nazi, bien plus importante encore qu'avec Mussolini, hein, avec bon, des personnages comme donc le docteur Goebbels, hein, qui sera Joseph Goebbels, qui sera le ministre de la propagande du Troisième Reich, et qui va organiser, comment dire, la mise en scène des grands congrès du parti nazi, par exemple à Nuremberg, avec les cathédrales de lumière, etc. Et puis surtout une propagande qui est un matraquage, hein, de la population, un endoctrinement de la population, hein, c'est là bien un des aspects du régime nazi, hein, auquel on associe bien sûr un culte de la personnalité autour du Führer et de Hitler. Le Führer étant le guide, tout comme le Duce était le guide aussi en Italie, ou le Caudillo, hein, pour l'Espagne, hein, ou même de la période stalinienne, hein,
rappelons le tien, ça peut être utile, le Void, hein, c'est comme ça qu'on appelait Staline, hein, je vous le rappelle, donc une sorte de guide lui aussi, guide du parti, etc. C'est caractéristique de tous les totalitarismes, ça, tel qu'il soit. Hein. Ce qu'on ne voit pas dans les juntes qui sont des dictatures militaires, où là, il s'agit d'un groupe de militaires qui oppresse la population et sans l'endoctriner. Le cas de la Birmanie, par exemple, c'est actuellement un coup d'État en Birmanie, je fais un petit aparté, on est en février 2021, et bien ce coup d'État militaire, voilà, c'est une junte militaire qui prend le pouvoir. Rien à voir avec un régime totalitaire. La Corée du Nord est un régime totalitaire, la junte birmane est une dictature militaire. Ce n'est pas, ce n'est pas la même chose. C'est pas mieux, mais c'est pas la même chose. Évidemment, dans le cas du régime nazi, bien sûr, endoctrinement de la jeunesse, mouvement de la jeunesse, hein, Hitlerjugend, bien sûr, les jeunesses hitlériennes, qui féminines et masculines d'ailleurs, qui bien sûr encadrent la jeunesse et l'endoctrinement de celle-ci dès la plus tendre enfance pour former évidemment les futurs militaires, hein, des futures guerres. Hein. Parallèlement à toute cette structure, bien sûr, les libertés fondamentales sont évidemment suspendues, plus de liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d'opinion, toutes ces libertés sont supprimées, bien sûr. Alors, autre axe de ce régime, bah, c'est bien sûr le redressement économique, hein, tout comme, simplement comme l'avait fait Mussolini, qui passe au redressement économique par le réarmement, hein, la reconstitution de la fameuse armée allemande, 100 000 hommes seulement, limité par le traité de Versailles. Ce sera d'ailleurs un des premiers viols du traité de Versailles. Cette armée va passer finalement de 100 000 hommes à bien plus que ça. Le réarmement qui va en même temps relancer évidemment la machine économique. Et puis, dès le 15 septembre 1935, hein, faut le noter, les premières lois antisémites sont édictées, donc progressivement, hein, le régime, nazi s'installe. Et donc, après avoir vu ce que son futur ami, acolyte, Mussolini, aura fait de l'Éthiopie, hein, eh bien, Hitler va donc s'inspirer de cela, se dire vraiment les Occidentaux, je fais le pari qu'ils ne vont pas réagir, qu'on ne va pas me refaire un coup comme celui de la Roure, hein, et donc détruire, hein, l'ordre de Versailles pour évidemment assurer une hégémonie, hein, du Reich sur l'Europe, hein, car c'est le programme. Hein, de Hitler, il l'a écrit, hein, l'hégémonie sur l'Europe et ensuite évidemment la guerre à l'Est, hein, inévitable donc pour liquider évidemment le bolchevisme et étendre ce fameux Lebensraum, hein, si cher aux théories raciales de Hitler. Et tout ça commence dès le mois de mai 1935. Dès le mois de mai 1935, donc, la Reichswehr change de nom, hein, la fameuse Reichswehr du traité de Versailles, pour devenir la Wehrmacht. Et c'est-à-dire qu'un programme militaire est mis en place de créer une armée d'agression. C'est terminé, la petite armée d'opérette pour maintenir l'ordre. Désormais, on décide de lancer un programme pour forger une armée. Qui sera une armée d'invasion future. Et nous sommes en mai 35. Le 7 mars 1936, alors là c'est certainement la première grande alerte gravissime, le premier signal vraiment très mauvais qu'envoie Hitler, qui est la remilitarisation de la fameuse Rhénanie. Vous vous souvenez de la Rhénanie, quand on a parlé des traités de paix, c'était cette zone donc de la rive gauche du Rhin que Clémenceau avait voulu donc comme une zone neutre, il y a une zone qui était dans l'Allemagne, mais dans laquelle il n'y avait pas de caserne allemande, pas de militaire allemand, une zone tampon, hein, pour justement éviter tout risque de reprise de la guerre. Grand symbole pour Hitler, l'Allemagne doit rentrer chez elle, si je puis dire, partout, hein, récupérer tous ses territoires, et même au-delà plus tard, et donc c'est la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936.
Alors, évidemment, là, évidemment, on se demande pourquoi les Occidentaux n'auraient pas réagi. Pourquoi un coup pareil avec Poincaré, qui était mort, le pauvre, je lui dis tout à l'heure, en 34, Poincaré aurait pu, s'il avait été là, là, à juste titre peut-être, envoyer un corps expéditionnaire pour balayer cette remilitarisation de la rive gauche du Rhin, cette violation massive, manifeste du traité de Versailles. Et peut-être que ça aurait fait d'ailleurs sauter le régime hitlérien, qui était encore très faible à l'époque. Et donc, mars 36, eh bien, personne ne réagit. Pourquoi? Ben, je l'ai dit déjà, hein, les Occidentaux sont beaucoup accaparés, surtout cette année 36, sur les problèmes sociaux intérieurs. Hein. C'est le cas de la France et de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est hostile à toute, comment dire, opération intimidante contre Hitler, que les Britanniques voient d'abord comme un anticommuniste, tout comme Mussolini aussi. Ben, ça fait deux régimes anticommunistes, à l'Est en plus, enfin pour l'Allemagne. C'est une bonne chose. On ne va pas, contester tout cela. Il y a guère que la France qui aurait pu s'en émouvoir, mais la France 36, c'est quoi? C'est le Front populaire, on s'occupe de problèmes intérieurs, donc on ne va pas s'occuper de la réoccupation de la rive gauche du Rhin, ni aller secourir les républicains espagnols. On verra en Espagne, où ça commence à ce moment-là, quelques brigades internationales, comme vous le savez, mais ça n'aura rien à voir avec un engagement militaire qu'aurait pu faire la France. Donc, pas de réaction. Par contre, là où personne ne se trompe, bah, ce sont les voisins, tous les voisins de l'Allemagne, à commencer les pays d'Europe centrale, où déjà la démocratie était un peu en berne. Hein. Alors, dans le cadre tout de suite immédiatement de la France, c'est la Belgique. La Belgique qui se redéclare neutre, hein, dans le cadre de la. De cette réoccupation de la rive gauche du Rhin. La Belgique, le petit royaume de Belgique, sent très bien le vent tourner, et donc se dit que cette fois-ci, bon, on ne passera pas par eux pour la guerre. Vous savez très bien que Hitler violera complètement la neutralité belge, mais néanmoins, c'est un signe qui ne trompe pas. Hein. Les alliés sont vraiment divisés. Hein. En Autriche, après que Dollfuss ait été liquidé, c'est le chancelier Schuschnigg, hein, qui est aux affaires en Autriche. N'oubliez pas que Hitler n'a eu de cesse que de réclamer, hein, l'Anschluss depuis son arrivée au pouvoir en 1933. Ça fait partie de son programme politique. Et là, sur les conseils de Mussolini, Schuschnigg donc entame un rapprochement avec le Reich allemand pour essayer de l'amadouer, de le modérer, s'il y avait des velléités d'Anschluss. La Roumanie, elle aussi, a signé un traité d'amitié avec l'Allemagne en août 1936. Je vous rappelle qu'on est déjà, dans le cas de la Roumanie, plus très loin de la future dictature royale. Donc là aussi, on sent le vent tourner. Hein. Et là aussi, signature par la Yougoslavie d'un pacte de non-agression avec l'Italie fasciste en mars 37. Bref, l'ensemble, si vous voulez, hein, des États de la région comprennent ce signal de l'occupation de la rive gauche du Rhin sans coup férir. Ça veut dire que désormais, c'est Hitler qui, tout simplement, va avoir la main sur la politique globale étrangère européenne des années 30. Et que c'est avec lui qu'il va falloir compter et que, décidément, les puissances occidentales sont bien affaiblies. Parce que hélas, vous le savez, elles ne vont avoir de cesse que de le confirmer. Hein. Autre phase, c'est l'automne 36, où cette fois-ci, entendez bien, il y a la signature d'un axe Rome-Berlin. Hein. Entre Hitler et Mussolini, cette fois-ci, c'est terminé. L'Italie ne sera plus, comment dire, ne bénéficiera plus de la bienveillance des puissances occidentales. Elle sera considérée comme un État désormais qui se rapproche de Hitler. Mussolini sent très bien le vent tourner. Et donc c'est l'axe Rome-Berlin. L'axe Rome-Berlin, c'est pas rien. Hein. C'est tout simplement l'embryon, hein, de ce que l'on appellera plus tard les forces de l'axe. Hein. C'est-à-dire tout simplement une alliance militaire, hein, une alliance militaire agressive. Hein. Le décor à l'automne 36, le décor de ce que sera la Seconde Guerre mondiale est déjà en train de se planter au milieu de la
la déraison la plus totale du côté occidental, de la non-compréhension du côté occidental. Également, en novembre 36, ça va être la signature du pacte anticommunitaire, donc anticommuniste, entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et oui, hein, j'évoque pas le Japon ici, puisque bien sûr, on est dans un cours d'histoire de l'Europe centrale, mais le Japon, hein, qui lui aussi est devenu, toujours un empire, bien sûr, mais un État militariste de plus en plus agressif vis-à-vis de ses voisins, sent très bien le vent et voit très bien ce qui se passe en Europe. Désormais, la grande alliance des forces, si je puis dire, totalitaire, anti-occidental est constitué. Le Japon, l'Allemagne et l'Italie. On y est, et on est en novembre 36. Et puis, en mars 38, alors là, c'est, si je puis dire, le coup, définitif, hein, avec donc le rattachement de l'Autriche, la petite Autriche du traité de Saint-Germain, donc qui fera Anschluss avec le Reich allemand. L'Autriche va devenir un land, hein, du Grand Reich allemand à partir de mars 38, avec un plébiscite évidemment plus ou moins manipulé qui fait 97% de oui. Donc là, en mars 38, on est vraiment au comble du comble de toutes les violations possibles que Hitler pouvait faire, hein, du traité de Versailles et des traités de paix. Hein. Surtout quand on sait, nous, dans nos cours d'histoire de l'Europe centrale, à quel point l'Autriche a une histoire tout à fait différente de celle de l'Allemagne, que c'est pas parce que Autrichiens et Allemands parlent la même langue que c'est nécessairement le même peuple avec la même histoire. Bien sûr que non. Hein. Vous avez bien compris que c'était beaucoup plus complexe que ça, que la Bavière et l'Autriche, par exemple, sont catholiques, le reste de l'Allemagne est plutôt protestante, que ça change déjà beaucoup de choses, que ce sont des histoires différentes, qu'il y a les États allemands qui ont été sous la férule du royaume de Prusse, hein, au XIXe siècle et même avant, et puis les autres, hein, qui étaient rattachés à une Mitteleuropa plus tolérante, même si impériale. Hein. Bon, voilà, donc on a bien compris, hein, qu'on est entré dans l'agressivité la plus inquiétante, cette fois-ci, à partir de mars 38. Et puis s'ouvre, et on le détaillera la prochaine fois, tout de suite, hein, tout de suite après, la crise des Sudètes, hein, dès le printemps, l'été 1938, on le détaillera, et cette fois-ci, Hitler sort de sa sphère germanique, si on peut dire, pour s'attaquer à son voisin direct qui est la Tchécoslovaquie. Le seul État, la Tchécoslovaquie, j'ai oublié de vous le dire aussi dans ce cours d'aujourd'hui, qui sera le seul à rester démocratique, le seul à ne pas avoir basculé dans des tentations d'État autoritaire, etc., etc. Pour quelles raisons? Évidemment, il serait trop long ici de l'expliquer, mais sachez et notez-le que c'est parce que il y a dans la partie tchèque, en tout cas de la Tchécoslovaquie, je pense notamment à Prague, bien sûr, la capitale, une tradition démocratique qui remonte à très loin, qui fait que dans l'Europe de la Renaissance, ça nous amène évidemment à bien loin du XVIe siècle, Prague, tout comme Florence, tout comme d'autres villes, notamment du nord de l'Espagne, ont été des foyers de l'esprit, comment dire, de liberté de la Renaissance. En tout cas pour l'Europe centrale, Prague en a été vraiment un foyer majeur. Et c'est probablement à cause de cette tradition intellectuelle ancienne de liberté que la Tchécoslovaquie sera un des derniers États à disparaître dans comment dire, les annexions hitlériennes, hein, et aussi un des derniers à résister dans ce qui sera le grand avalage communiste de l'après-Seconde Guerre mondiale. On aura l'occasion d'y revenir. C'est important de bien le mentionner, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les Occidentaux et la France, notamment dans la création de la Petite Entente, avaient intégré la Tchécoslovaquie comme un des piliers, une des clés de voûte centrale en tout cas de tout le système.
Alors cette crise des Sudètes, et on y reviendra la prochaine fois, c'est quoi? Ben, cette minorité des Sudètes, j'en ai déjà parlé, qui se situe tout autour de Prague, hein, qui est une minorité allemande. Pourquoi allemande? Parce que lors de la signature des traités de paix, toute cette zone de la Bohême était intégrée dans l'Empire. Hein, et donc, bien sûr, il y avait une minorité, forcément, inévitablement, de locuteurs germaniques, donc ça s'appelle les Sudètes, cette minorité Sudète. Qui va avoir un parti des Sudètes, un leader, il s'appellera Konrad Heinlein, et cette minorité des Sudètes, donc qui va être, vous l'avez bien compris, et bien avant 38, hein, noyautée par le parti nazi allemand, manipulée afin donc de tout simplement la retourner contre la fragile Tchécoslovaquie dirigée par le successeur de Masaryk, Édouard Beneš, et qui va précipiter évidemment cette fois-ci le monde vers un bord de ce qui aurait pu être la guerre. Hein. La guerre aurait pu être déclenchée à l'automne 38. Ça ne sera pas le cas parce qu'il y aura la grande conférence de Munich. Et nous aurons l'occasion d'y revenir car ceci nous permettra d'évoquer la situation de l'Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce qui sera l'objectif du cours donc de la prochaine fois. Je ne reviens pas sur les raisons hein, de la division comment dire. De cette fin de période des années 30, hein, retenez simplement, très rapidement, que donc les franco-britanniques sont divisés sur l'attitude à venir, à avoir vis-à-vis de tout ce que je viens de vous indiquer, que la génération de la guerre de 14-18 n'est plus là pour contrer un aventurier politique comme Hitler, hein, Clémenceau, Poincaré, Aristide-Briand ne sont plus là. C'est une génération autre, empêtrée dans les conséquences évidemment de la crise de 1929. Et la Société des Nations, dans tout cela, ne l'oublions pas, notre fameux droit qui doit primer sur la force tellement utilisée depuis Mussolini et ensuite par Hitler. Oui, la Société des Nations, louable assemblée, n'est dotée d'aucun moyen de pression. C'est aussi un des ingrédients qui va mener au désastre que nous verrons donc la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Vous pouvez donc liker avec un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Parlons histoire, mobilisée, toute mobilisée donc pour ces cours en période de cours en distanciel. Je vous remercie, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois.